Akanda. Je m'appelle Moussa Issaka. Je suis cordonnier au village artisanal de Ouadata. Je travaille le cuir, je fais des chaussures en cuir. Et puis, je fais même des sacs, des chaussures hommes et femmes. Voilà, ici, c'est la maison. Je vis avec la famille, les voisins, tout ça là. On a vu, il y a quatre familles qui sont ici, plus moi. Il y a la vieille qui est ici. Il y a ma femme. J'ai ma femme et mon enfant. Il y a les grands frères qui sont là. Lui, c'est sa maison, c'est le propriétaire de la maison. Après, une fois marié ici, dans la société, il faut que vraiment tu prennes ta famille en charge. Et c'est ça qui est plus important chez moi. Maintenant, je me suis concentré pour moi et ma famille. Et voilà chez moi. Voilà chez moi. C'est qui? D'accord. Ma femme. Et là, elle a perdu la caméra. Voilà. Quand je viens, chaque soir, c'est comme ça. On me serve à boire d'abord. Après, quand je me suis reposé, on m'apporte à moi. Après avoir pris mon bain, quoi, je vais aller me laver. Là. Quand je me suis lavé, là, je viens, je m'assois là. Je mange, on mange ensemble. On cause, je regarde la télé aussi. Ici, j'ai mon stock de cuir. Là, c'est pour la carte, là. Tu vois? Des fois, elle me donne ses idées, on travaille ensemble. Et je fais un coucou, un bye-bye à ma famille. Je dis bye-bye chérie. À ce soir. Voilà, vas-y. Ok, bye-bye. C'est un jour. Ça va. Lui, c'est Suleiman, c'est mon apprenti. J'enlève le cul. Hop. Maintenant, le travail va commencer. Voilà. Bien joué. Voilà. Comme mon modèle. Avec ça, c'est le cul dont je vous ai montré à la maison. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une paire de chaussures commande que j'ai eu ici. Ça, j'ai divisé ça en deux. Maintenant, je prends la partie que vraiment je souhaite que je veux travailler là-dessus. Suleiman, voilà, j'ai ta tête. Ta droite. Je vais vous montrer un modèle que je vais monter ça avec vous ensemble ici. Tu vois? Ça, c'est les gabarits. Je trace le modèle d'abord. Quand je trace le modèle, tu vois? Je donne au petit de m'enlever ça. Voici.
Vraiment, mon rêve dans mon travail, c'est d'aller en avant, c'est de faire vraiment, d'aller même jusqu'à ouvrir une industrie, quoi, si c'est possible, jusqu'à créer une très grande entreprise. Mais pour le moment, vraiment, je bosse beaucoup, je travaille beaucoup. Et que c'est pour cela que mon rêve vraiment, c'est de faire apprendre à beaucoup des enfants, de travailler vraiment. Le travail vraiment c'est bon. Et malheureusement, nous ici, c'est pas tout le monde qui a cette opportunité. On n'a pas le moyen. Moi, si on a un grand moyen, un soutien financier, surtout, vraiment on peut faire beaucoup de choses. On peut créer une très grande entreprise. Mais malheureusement, on n'a pas tout cela, tous ces moyens. Donc c'est pour cela que vous voyez la plus grande majorité des artisans du Niger, et ils travaillent individuellement. Chacun travaille lui seul ou bien à deux. Vraiment, c'est pour cela que les gens n'aillent pas en avant. Vraiment, c'est dommage. Mais moi, mon rêve, vraiment, c'est d'aller plus loin. Ça, je vais faire demi-semaine avec. Voilà. Maintenant, ça. Ça, c'est la semelle de l'intérieur. Voilà, maintenant je vais couper exactement et la même taille que ça. Maintenant, où est notre porte? Ça? C'est des bruits quand même. On commence toujours par le derrière, quoi. C'est mieux. Comme ça, tu peux modifier ici si tu veux. Par exemple, comme ça, je peux les soulever un peu. Les gars qui m'avaient appris ça, lui jusqu'à présent il fait pas des chaussures comme ça. Jusqu'à présent il s'est arrêté aux chaussures traditionnelles. Ah ouais. Mais nous on s'est débrouillé pour apprendre tout ça. Voilà.
Maintenant, les chaussures sont finies, tu vois. Voilà. Take it. 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 Take